BMS maintenant accablé, donc vu que j'ai tous mes voilà, tous mes petits raccords pour souder les prises d'équilibrage, je vais installer BMS ici sur le côté. Il me reste plus du coup qu'à câbler le câble, le connecteur principal et puis connecteur de charge. Donc là sur le BMS, si on va voir, je suis contre la lumière. Ouais, voilà. Donc là on a le moins de la batterie, donc le moins qui va directement de la batterie au BMS. Donc de ce côté-là, parce que le moins est là. Donc le moins va aller directement ici au BMS. Le P- c'est le câble qui sort, qui va aller au gros connecteur XT90. Et puis le C- donc c'est la prise de charge négative. Donc là il va déjà falloir en premier temps souder un fil qui vient ici et qui va au BMS. Donc là on a la masse directement de la batterie au BMS. Et puis bah là il va rester les deux câbles plus moins principaux qui vont sur le connecteur. Donc là maintenant qu'il est soudé, la gaine thermo, pouvoir le souder à la batterie. Donc là on a le connecteur principal avec le moins qui est soudé sur le BMS, donc pour sur P-. La batterie, elle, est reliée, le moins de la batterie est relié directement au BMS, donc B-. Le plus principal de la batterie, il est ressoudé directement sur le bus plus de la batterie. Et puis le BMS, on peut le connecter. Maintenant que ça c'est fait, mettre un bout de scotch capton sur
sur les câbles. Donc voilà, le BMS qui est câblé, installé, les câbles plus moins batterie qui sont soudés. Maintenant il reste juste le câble de charge à souder et puis emballer toute la batterie et puis ça sera fait, ça sera fini. J'ai préparé le connecteur de charge. Donc les fameux connecteurs dont j'ai parlé tout à l'heure. On n'en verra pas trop à l'intérieur. On verra rien à l'intérieur. Enfin voilà. C'est des connecteurs comme ça, étanches. Donc il y a des joints à l'intérieur. Du coup le fil, il y a le plus qui va avec le plus principal. Avec le gros là, et puis le petit moins lui va sur le BMS, et voilà, c'est fini. Hop. Nos deux connecteurs, maintenant il reste plus qu'à isoler tout ça bien protégé avec la protection comme ça, donc entre les fils et puis les bandes de nickel de ce côté là aussi. Bon, là il y a jusqu'à en protéger par dessus, et puis après on va aller tout ça dans la gaine thermo. Batterie finie, emballée, plus qu'à mettre la gaine thermo. J'ai pas de grosse gaine thermo en fait, donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre de la gaine thermo plus petite et je vais en mettre deux morceaux. Voilà, ça aurait été plus propre quand même avec la gaine thermo du bon diamètre, mais bon, mais voilà. De toute façon, après la batterie elle est enfermée, on voit plus rien du tout, mais là c'est bien protégé. Donc la prochaine étape, ça va être de la charger entièrement et puis faire un test de décharge avec le wattmètre pour voir, du moins pour contrôler exactement sa capacité et puis être sûr que tout fonctionne bien, et ensuite la recharger, la mettre sous quad.